Non. Oh putain. Oh putain. Et bonsoir et bonjour. Bienvenue pour une nouvelle vidéo Nocturnis, une nouvelle enquête paranormale. Cette fois donc on va pas vraiment parler d'une nouvelle enquête puisque en fait on va retourner au même endroit qu'il y a 2 ans pour l'épisode numéro 2. C'était l'épisode numéro 2 des bruits dans la nuit. Donc je vous le mettrai là-haut. Et aussi en description. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir parce qu'on a eu des résultats de fou dans cette vidéo. Et donc, 2 ans après, on revient au même endroit pour essayer de voir si on va avoir confirmation de ce qu'on avait eu pour les 2 premières vidéos qu'on avait faites. Si les phénomènes paranormaux se confirment, peut-être qu'on en aura plus, peut-être qu'on en aura moins, ou peut-être que ça sera différent. Donc, on verra. On va changer un petit peu la formule. Alors, ce soir, je suis avec Alison. Salut! On va changer un petit peu la formule habituelle pour voir ce qu'on a investi dans une caméra nocturne et ce qui fait qu'on va pouvoir se mettre dans le noir. On avait vu que justement dans la vidéo précédente, on avait eu beaucoup de résultats quand on se mettait dans le noir. Alors je ne sais pas pourquoi. Hein. On va essayer avec la caméra nocturne, du moins vous pourrez voir. Nous on verra rien, mais vous verrez. Et surtout, on va faire un petit peu ambiance frisson, donc on va rester. Chacun, à un moment donné, seul avec la caméra nocturne dans le noir, donc, et on va filmer seul pour voir ce qui se passe. Il y aura Alison, il y aura moi, on sera seul, chacun son tour. On verra ce que ça donne. Ça risque d'être pas mal niveau frisson parce que quand on est seul, c'est pas pareil que si on est à deux. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant. Donc, on se dit à tout de suite pour l'enquête. Alors ça y est, on va commencer l'enquête. Je vais revenir rapidement sur l'histoire du lieu. Je vous invite toujours à aller regarder la vidéo numéro la Nocturnis numéro 2, pardon, parce que vous aurez tous les détails. Mais rapidement, donc c'était un ancien hôtel abandonné qui a été ensuite transformé en maison de retraite et qui n'est pas resté longtemps ouvert puisque au bout de 2 ans, la maison de retraite a fermé pour cause de mauvais traitements aux personnes âgées. Et ça pourrait expliquer du coup tout ça, cet épisode, ce court épisode Maison de Retraite, ça peut expliquer les résultats paranormaux que nous avons eu la dernière fois. Donc on va voir si ça se confirme ce soir, on l'espère. Il y a une pièce en particulier qui est très chargée, où on a eu énormément de résultats. Donc on va s'y rendre, on va y aller. Non, je ne sais pas si vous pouvez apercevoir. Voilà, il y a d'autres ailes en fait. Là, on est dans la partie intérieure du U. Et on va justement en face, là-bas. Où il y a une pièce en particulier, où on avait eu beaucoup de résultats la dernière fois. Et il y a même eu un bruit étrange qu'on a capté avec la caméra, au moment où on descendait un escalier. Aucun de nous deux parlait. Et pourtant, j'étais en train de parler moi, et il y a un ou qui a couvert ma phrase, et sur le coup moi je l'avais même pas entendu, c'est mon ami qui me l'a fait remarquer, et quand on a réécouté l'enregistrement, on a bien entendu un ouh, comme s'il y avait quelqu'un au-dessus de mon épaule qui faisait ouh et qui couvrait ma voix. Et là, ce tag là est toujours là, toujours aussi impressionnant. Ils l'ont un peu amélioré avec les yeux rouges dégoulinant de sang, mais il est toujours aussi flippant ce tag là. S'il y a une entité ici, est-ce que vous pouvez... Et... Ok. J'espère qu'on a capté à la caméra, mais il y a eu 2 gros bruits au plafond, juste au-dessus de nous. Et encore une fois, comme dans la vidéo précédente, il n'y a rien dessus. C'est le toit. Là, on voit le bord du toit. Et il n'y a rien. On voit même la lune qui se dessine. Il n'y a rien d'autre. Donc ça, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait donné 2 coups sur le toit. Alors que il n'y a aucun moyen d'y accéder à cette partie-là, en tout cas. Ok? Encore.
J'espère qu'on le capte à la caméra. On dirait que ça marche. On dirait qu'on marque, on dirait que ça marche au-dessus. C'est exactement les bruits qu'on avait vu la dernière fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Ok. Le coup à droite. Entendu? Ouais, j'ai entendu. Oh, celui-là il était beau. Celui-là on a dû le capter à la caméra. Là par contre, c'était un gros coup. Si vous voulez communiquer avec nous, faites un coup, s'il vous plaît. Ça continue. Ok. Bon ben, ça confirme que l'endroit, il se passe quelque chose, quoi. Approchez-vous de l'appareil que je tiens à la main, s'il vous plaît. Puyez peut-être dans l'énergie de nos batteries, des piles, etc. Pour essayer d'interagir avec l'appareil. Pour le faire varier. Un gros coup dans la chambre. Dans la fameuse chambre. Je peux même dire hanté parce que du coup. C'est juste devant en plus. Donc là, c'est la chambre qui est là, dans l'embrasure. Est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil que je tiens dans les mains, s'il vous plaît? S'il vous plaît. C'est inoffensif. Ok. Bon, ils veulent peut-être pas trop s'approcher de l'appareil, mais en tout cas, on entend des bruits. Je suis pas sûre là, non? S'il vous plaît, approchez de l'appareil que je tiens dans la main. S'il vous plaît. Il y a encore un bruit, tout au fond du couloir. Approchez-vous de l'appareil, s'il vous plaît. Vous faites un énorme bruit. Très gros. Qu'on sache que vous soyez, que vous êtes là. Un bruit derrière. On vient à peine de commencer l'enquête que bon. Les bruits sont déjà là. Qu'est-ce que ça va être plus tard? Bon, là de toute façon l'enregistrement va bientôt couper parce qu'on arrive à 30 minutes. Donc je vais faire une coupe. On va reprendre, on va refaire un peu le tour du bâtiment avant de revenir ici. Et comme ça, moi, ça va vous montrer que peut-être qu'ailleurs, ben, en fait, on n'a rien. Et que c'est surtout ici que se concentrent les bruits
Combien? Ok, ça continue. Je suis déjà venu. On avait essayé d'établir une communication. Est-ce que vous aimeriez la reprendre? Si oui, faites un gros coup dans un mur. On dirait que ça marche encore au-dessus. Ouais. Mais il y a eu un coup derrière nous. Oh putain. Est-ce que c'est vous qui avez marché au plafond tout à l'heure? Refaites-le. On a dû l'entendre à la caméra. Il était gros, lui. Ok. Je viens de remarcher au plafond. On essaie de marcher, mais c'est pas nous qui faisons trembler quoi que ce soit, c'est pas les vibrations. Donc c'est même pas dû à notre déplacement, ou notre présence. Après ça, c'est des bruits que ça peut s'expliquer par un mur qui travaille. Pas tous, mais certains peuvent s'expliquer par les matériaux qui travaillent. Approchez-vous de nous. Ça a marché au-dessus de nous, c'est tout. S'il vous plaît, faites un très très gros coup dans le mur. Peut-être que ça vous demande trop d'énergie, mais essayez s'il vous plaît de faire un très gros bruit. Ça nous permettrait d'être sûr qu'on parle et qu'on est bien en train de communiquer avec une entité. Il y a un bruit. Après, avec la bruit de circulation, j'espère qu'elle n'a pas parasité. On a vraiment que ça marche au plafond, c'est un truc de fou. Mais ça fait pas tout le temps, c'est que quand tu communiques. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur le toit? Ok. Oh, wow. Putain. Tu l'as été énorme. Ça me donne des frissons.
Tu vois, il était dans le dos. On est assis dans le cage d'escalier. C'était moi. On vous écoute. Encore des bruits de pas au plafond. Putain, c'est pas normal. On a dit un bruit de portière. Mes hommes ont dit un bruit de portière. Non, c'était une coupe. Je suis pas sûr. Et comme ça, on a mis du fond. On a mis le bout du couloir. Oui, du bruit. Mais... ça me fait penser à un bruit de portière. On n'est pas seul. Je pense que c'est plutôt quelqu'un. Ouais, on va vérifier. J'en viens d'entendre des bruits, mais ça ressemble plus à des bruits. Une. Donc, ce n'était pas un bruit de portière. On va retourner où on était du coup. Et je pense que ça vaut même le coup de se mettre en caméra nocturne, d'abord à deux, et je pense ensuite tout seul. Bon alors, du coup, comme promis, on est en caméra nocturne. J'ai gardé ma caméra sur moi, avec l'éclairage au cas où. On a aussi une lampe UV qui va permettre d'éclairer un peu. Donc là on est dans le noir complet. Et on va essayer de voir si on entend toujours plus de bruit. Alors pour info, du coup tout à l'heure c'était pas du tout un bruit de portière. On est toujours seul en fait. Bon. Il y a un énorme bruit là-bas. Je sais pas si vous l'avez entendu. Il y a eu un énorme bruit par là-bas. Allez-y. Faites un bruit. Putain. Merci. Encore une. C'est vous qui marchez au plafond? Vous faites un bruit. Putain. Ok, merci. On entend un chien qui aboie au loin. Ok,
là c'était. C'était en bas dans l'escalier. Ah, c'était pas toi ? Non. Donc vous avez essayé de communiquer avec nous en faisant du bruit. Merci. Est-ce que vous pouvez le refaire ? On dirait qu'on saute sur le dehors. Alors, on avait entrepris une séance de questions la dernière fois. Et on avait demandé si vous aviez besoin d'aide. Est-ce que c'est toujours le cas ? Si c'est le cas, faites un coup. Et pas la lampe à rallonge. Il y a eu un petit coup, mais... Est-ce que vous pouvez refaire un coup si c'est le cas? Merci. Wow, putain. Ok. J'espère qu'on l'a capté à la caméra parce qu'il était énorme. Il y en a encore. Bon, donc du coup, on peut vous aider. Enfin, vous avez besoin d'aide, ok. Est-ce que vous avez souffert de mauvais traitements ici? Faites un gros coup. Il y a un coup. Est-ce que vous êtes mort ici? Faites un coup. D'accord, ça a répondu direct. Bon, par contre, on commence à... On arrive un peu à court au niveau de la batterie. Je sais pas combien de temps ça va tenir encore. Si tu veux te poser des questions. Est-ce que vous êtes un ancien pensionnaire de la maison de retraite? Si oui, faites un coup. Là, on a entendu marcher en fait, hein, pour le coup. Est-ce que c'est vous qu'on entend marcher? Si c'est oui, faites un gros coup. On a eu un coup. C'est vers le fond. On va peut-être aller vers la vers les pièces du fond avec la caméra. Là, ça marche au-dessus. Fais gaffe avec le faisceau. Oui, non, mais ça donne des trucs sur la caméra. Ouais, la pièce derrière toi. Putain.
des bruits énormes, il y a des coups énormes. On dit que quelqu'un venait en courant vers nous. Arrête, ça se rapproche. J'ai des frissons, hein. Je te le dis. Je sais pas si on entend la caméra, mais là on a entendu comme si des bruits de pas qui couraient vers nous. Et un gros coup au-dessus. Après, il y a des bruits trop faibles qu'on n'entendra pas, je pense, à la caméra. J'espère seulement que le bruit de la circulation, qui est vraiment énorme, qu'on entend beaucoup, j'espère que ça ne sera pas trop présent sur la caméra. On va voir. Ok. Et en tout cas, j'espère qu'on entend tous ces coups. Derrière toi, je crois. Oui, merci. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'escalier? Montez. Montez les marches. J'ai entendu un bruit derrière. Okay. Je me décale parce que... Mais des bruits. Bon. Ouais, ils ont peut-être monté l'escalier. Ouais. Ils ont été rapides, je te dis. Oui, mais c'était juste derrière moi. On va peut-être essayer de... D'aller par là-bas. Là, si on voit un truc apparaître à la caméra, je te garantis que là, on prend la peur de notre vie. Arrête. Je vais mettre le dos vu que tu vois rien. Ok. Putain. Là, c'est sur la droite. Le truc, ça marche. Je sais pas si c'est dans la pièce ou au plafond. Il est dans la pièce. Sauf que là, je vois pas l'encadrement. J'ai pas envie de cogner ma caméra. On regarde le sol. Tape derrière nous. On a entendu du bruit dans cette salle. Vous êtes là? Alors, on est en train de marcher dans un couloir complètement noir, dans un endroit abandonné, où il y a des bruits bizarres. Et tout ça sans rien voir du tout.
qu'on a entendu à la caméra, mais il y a eu des gros bruits. Bon, tu vas jusqu'au bout du couloir ou... Oh putain, encore un bruit, juste devant. Ok. C'est le même bruit que tout à l'heure, qui ressemble à un bruit de coup de portière, mais en fait, c'est pas un bruit de portière. Vous êtes encore là ? Faites un coup, s'il vous plaît. J'ai entendu marcher encore sur les gauches. Il m'a répondu. Je vois rien. Un autre bruit sur la gauche. Oui. Bon, mais on va faire une petite pause et on va se retrouver pour. Des phases en solo. On n'est pas très très chaud non plus, mais on va essayer. Alors, on vient juste de rallumer pour changer la batterie de notre caméscope du Nocturne. Et on va donc tester donc du coup de rester quelques minutes seul dans le noir avec la caméra vision nocturne. Est-ce que vous voulez communiquer avec moi ? Oh putain ! Oh putain ! Oh non ! Oh putain ! Oh putain ! J'espère que ça s'est entendu, il y a eu un gros bruit. Oh putain, comme si ça marchait dans le couloir. Oh, mais en plus, je vois rien. Est-ce que vous avez été maltraité ici ? Si oui, faites un coup. Est-ce que vous êtes dans la pièce avec moi ? Si oui, faites un gros coup. Je crois que je vais regretter ma question. Il y a eu un coup.
Est-ce que vous pouvez refaire du bruit pour moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous souffrez ici? Si oui, tapez un coup, s'il vous plaît. Oh putain, ça a répondu direct. Vous êtes sur le toit? Faites du bruit, s'il vous plaît. Faites-moi savoir que vous êtes là. Faites des gros bruits. S'il vous plaît. Merci. Bon, on va arrêter là. C'était une expérience phénoménale. Je vous dis à tout de suite. Allez, à ton tour. Allez, c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance. Peut-être à tout à l'heure, si je m'en sors vivant. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Allez, c'est parti. C'est à mon tour. Alors. Ça doit être Alison. En tout cas, j'espère. Donc, maintenant, c'est à mon tour d'être dans le noir complet. Dans la chambre, on a eu plusieurs résultats. Ok, ça commence déjà. On a quand même pas mal de bruit parasite parce que c'est vrai que ce soir le bruit de circulation est énorme. Je sais pas si vous entendez les bruits, mais. Il dirait vraiment que ça marche, quoi. Plus de réponse. Est-ce que vous êtes encore là? Faites du bruit. Du bruit.
plus faible. Faites plus de bruit. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Faites un coup. D'accord. Ok. Je crois que ça a le mérite d'être clair. Donc, ça veut dire qu'on vous dérange, donc. Est-ce que notre présence vous dérange? Il y a du bruit au-dessus. Encore une fois, si vous ne voulez pas qu'on reste, si notre présence vous dérange, est-ce que vous pouvez faire un gros, gros coup, un gros bruit, s'il vous plaît? Bon. Je ne sais pas si on a entendu la caméra, mais celui-là, il était costaud. Ok. Bon, je pense que la réponse est claire. Ça veut dire qu'on les dérange et qu'ils n'ont pas envie qu'on reste là, donc on va peut-être pas insister. Donc je pense que on va rallumer les lumières, on va retourner à l'extérieur, on va faire le débrief d'ailleurs à l'extérieur. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir, et je pense que, encore une fois, là ça confirme que il se passe des choses dans cet endroit. Donc on va pas les déranger plus longtemps et on va partir. Donc je vais couper la caméra, je vais rallumer la lumière. Allez. Bon alors. On vient de quitter l'endroit, c'est un bien grand mot puisque vous le voyez encore derrière nous, mais on a quitté la mise au point. On vient de quitter la pièce où, bon voilà, on a, il y a encore des bruits, où on a fait les séances en solo dans le noir avec la caméra nocturne. Donc Alison, c'était ta première enquête. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était intense. Je pensais pas vivre ça comme ça, avec autant de phénomènes, autant de bruits. J'étais un peu sceptique. Et même si au fond, j'y croyais, mais bon, pas plus que ça. Et là, c'est intense. J'avais vraiment l'impression d'avoir quelqu'un dans la pièce, quelqu'un qui marchait au-dessus. C'était. Ça répondait aux questions, on ne peut pas avoir de doute. Donc, première fois dans l'urbex, paranormal, et j'y retournerai avec plaisir. Bon, voilà, c'est le clap de fin pour l'épisode 5 de Nocturnis. Bon, on est revenu dans un lieu qu'on a déjà visité. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on avait eu le plus de résultats, vraiment impressionnant d'ailleurs. On en a eu encore ce soir, alors peut-être pas forcément de la même manière. On a eu beaucoup de bruit encore, beaucoup. On a eu zéro résultat K2. On n'a pas eu de. Alors, je vais vérifier quand même après visionnage des enregistrements. Je pense pas qu'on ait eu de PVE, mais c'est à voir. Contrairement à la dernière fois, on a eu ce Youhou qui était juste impressionnant. Donc à voir, je pense que ce lieu, ça confirme vraiment qu'il s'y passe quelque chose au niveau paranormal. Je pense vraiment qu'il y a des choses vraiment pas très explicables naturellement. Certes, il y a certains petits bruits qui peuvent s'expliquer par le travail des matériaux, des murs, etc. Mais pas tous. Il y a des coups, des gros coups, des bruits de pas. Là, tout à l'heure, j'ai cru entendre une portière qui se ferme. Donc, alors que bon, on est bien allé vérifier, il n'y avait personne. Donc je pense que véritablement, il y a quelque chose dans ce lieu.
Il y a beaucoup de circulation derrière, par contre. J'espère que ça n'a pas trop parasité la vidéo. Donc voilà, donc après, ben, on a essayé de modifier un petit peu le fonctionnement. Là, maintenant, donc avec la caméra nocturne, je pense que ça peut être pas mal, du coup, de l'utiliser un peu plus. Le côté solo, ben, dans une pièce hantée, je pense que c'est pas mal aussi. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je pense que je l'inclurai après de base dans toutes les prochaines enquêtes. Je pense qu'on va même après investir dans des talkie-walkie pour pouvoir parler justement un peu plus loin à distance, etc. et pas trop se parasiter, parce que là bon, on est resté à portée de voix au cas où, en cas de problème. Même si on était à l'étage inférieur. Donc donc je pense que voilà, on fait évoluer petit à petit la formule des Nocturnis et des enquêtes. Il y aura sans arrêt, je pense, encore de nouveaux changements, etc., pour apporter un peu de sang neuf et un peu de nouveauté. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, c'est très important, ça coûte 0€ et en plus, c'est très rapide à faire et ça nous aide énormément. Donc, si vous n'êtes pas abonné, pareil, abonnez-vous, c'est vraiment le plus important. Donc voilà, je pense qu'on va intensifier un petit peu, parce que je sais que je suis pas très régulier, on va essayer d'intensifier un petit peu les vidéos, que ce soit de l'urbex classique ou des enquêtes paranormales. Donc vraiment abonnez-vous et surtout, voilà, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez des contenus. Les critiques sont toujours bonnes à prendre et constructives. Donc voilà, on se dit à bientôt pour le prochain épisode de Nocturnis. Bye bye.